dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno. J'ai pensé avec cette citation à ce que me disait mon prof de Cagnes, mon prof de français, qui était aussi prof de lettres classiques, et quand il voulait s'assurer que ce qu'il allait dire était clair, il se demandait toujours comment il le traduirait en latin. Et la traduction ne ment pas. Et je vous dis, oui, prendre la parole en public, être éloquent, vous permet de découvrir vos talents, que vous-même, vous ne pensiez pas avoir. Très bien. Mais participer aussi à des compétitions d'éloquence, comme vous le faites aujourd'hui, non seulement élargit votre horizon intellectuel, culturel, cognitif, mais vous ouvre la voie vers d'autres horizons, des horizons nouveaux. Vous enrichit, vous rend plus fort. Le mot en anglais qu'on emploie pour cela, c'est « empowerment ». Empowerment. Et ça, c'est un mot très fort dont la racine est power. Prendre la parole, s'exprimer, c'est l'école de la citoyenneté également. Le développement de votre pensée, de votre sens critique, de votre curiosité intellectuelle. C'est aussi l'école de la tolérance, très important. Parce que écouter vous permet d'accéder à un univers référentiel qui n'est pas le vôtre, d'accord ? Mais c'est une ouverture. C'est comprendre, c'est partager, donc c'est s'enrichir. Tu parles, donc je suis. L'autre, l'écoute, est l'autre versant inséparable de la parole. Écouter l'autre est une preuve d'ouverture d'esprit, de maîtrise de soi, d'esprit civique. Et lorsque le débat est contradictoire, ce qui fait la différence, c'est bien sûr l'éloquence, l'argumentation, la capacité à convaincre, mais c'est aussi, et pour une bonne part, la capacité d'écoute de l'autre. Et comme le dit si bien ce chef indien, la beauté de votre langage me va droit au cœur. Et pour ces peuples autochtones, qui n'avaient pas de forme d'expression écrite, être un bon orateur était parfois une question de survie. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour vous ici, mais les qualités oratoires dont vous faites preuve constituent un atout indéniable pour votre avenir. Vous possédez un potentiel extraordinaire. Vous participez à cette expérience qui vous permet de vous découvrir, de découvrir votre voix. Vous avez beaucoup de chance parce que vous avez des enseignants qui vous permettent cet investissement. Et je vous félicite très chaleureusement, car vous êtes les futurs dirigeants de demain. Vous êtes de futurs communicants, des communicants avertis, parce que vous avez réfléchi, vous avez travaillé, de futurs critiques et des citoyens avec le pouvoir au bout des lèvres. Ça, c'est très important. Et un dernier mot que j'emprunte à la philosophie de l'apprentissage des Indiens Navajo, qui s'appelle The Beauty Way, et qui est une cérémonie pour établir l'équilibre et l'harmonie avec son environnement. Voilà. Puissez-vous avancer avec la beauté devant vous et autour de vous. May you all walk in beauty. Merci. Timere, timere, marchiro, marchiremo, ameno. Madame, monsieur les proviseurs, les professeurs, chers élèves, et je me sens infiniment illégitime à être là, devant vous, puisque je n'ai jamais fait de grec, puisque j'ai arrêté le latin en première pour ne pas le passer au bac et plomber ainsi mes chances d'accéder à des études supérieures. C'est vous dire que j'ai vécu cette première soirée hier avec les gens qui m'entourent aujourd'hui comme une sorte de voyage initiatique, 30 ans après celui qu'il aurait dû être quand j'avais votre âge. Et j'ai vécu dans un monde parallèle, puisque
J'ai appris donc, grâce à Madame Dupont, que les gladiateurs étaient en réalité des pleutres, et que Spartacus avait eu le sort qu'il méritait, et que Pompée était une mauviette. Et c'est vous dire que je vais apprendre encore 1000 choses grâce à vous et maintenant, et tout cela pour me laisser le temps également de réfléchir à la phrase que j'ai donnée il y a maintenant quelques mois à Madame Guillemin et que j'avais oubliée. Et la parole est un sport de combat. Après tout, pourquoi pas? Elle l'est à bien des égards. Elle l'est d'abord d'un point de vue personnel. Et lorsque j'avais votre âge, j'étais semi-autiste. Et donc, le fait de passer des concours d'éloquence, comme vous le faites, je l'ai fait bien plus tard, lorsque je suis devenu avocat, a été pour moi une forme de thérapie que je poursuis grâce à vous. Et d'ailleurs, comme c'est remboursé par le lycée, c'est une sorte de double peine. Donc, je poursuis grâce à vous cette thérapie et je veux dire à ceux qui sont timides que j'ai été bien pire qu'eux. Je pense à ceux qui ont leur petit papier sur les genoux et qui vont nous éblouir de leur talent et qui actuellement ont peur. Et je ne parle pas aux pleutres derrière qui sont les héritiers donc des gladiateurs et de Pompée. Les vrais héros sont au premier rang. Ce sont ceux qui mourront à la fin. Je veux leur dire que je suis pleinement solidaire et que je me retrouve pleinement dans leurs regards apeurés, car il est normal d'avoir peur lorsque l'on parle. Et c'est en cela qu'elle est un sport de combat, et le combat vous l'avez déjà gagné, le plus beau combat c'est le combat que vous aurez gagné contre vous-même. Après les prix nous délibérerons, ils sont le fruit d'une délibération contingente, aléatoire, c'est ici et maintenant, demain ce serait autrement, hier ça aurait été également autrement, ça n'a aucune espèce d'importance. Le vrai combat de la parole, c'est celui que l'on gagne contre soi-même. Et donc, je vais vous dire que vous l'avez déjà gagné, et que si vous avez peur, c'est parfaitement normal. Ça fait pour ma part à peu près, sans compter l'enfance primaire, mais disons, pour dire les choses, une trentaine d'années que je parle, et ça fait 30 années que j'ai peur en parlant. Donc, je pense que je vivrai avec et que je mourrai avec le plus tard possible. Mais je vous confie, pour ceux qui ont extrêmement peur, qui ont les mains moites et tremblantes, cette phrase du grand comédien français Louis Jouvet, qui a une jeune actrice qui lui disait « Maître, je n'ai pas le trac », il répondait « Vous verrez mon petit, ça viendra avec le talent ». Donc, sachez-le, plus vous avez peur, plus vous êtes doué, la peur n'est rien d'autre que la contrepartie de l'exigence que vous avez sur vous-même. La peur vient de cet écart entre ce que vous attendez de vous et ce que vous pourriez produire. Et donc, si vous n'attendez rien de vous, vous n'avez pas peur. Et si vous avez peur, c'est que vous avez de l'exigence sur vous. Et cela, c'est le début de la sagesse. Donc, c'est un combat, effectivement, pour soi et sur soi. C'est donc un combat d'abord personnel. Et la parole. C'est aussi un combat professionnel, en tout cas pour ceux qui choisissent ce métier merveilleux qui est de défendre des personnes accusées devant des tribunaux qui se font donc les porte-parole de ceux qui n'ont pas de mots parce qu'ils ont été cabossés par la vie, parce que la vie les a bringalés, les a ballottés, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être au lycée Charles de Gaulle et que, ma foi, ils n'ont pas les codes de la parole. Et nous faisons, nous avocats, l'interface entre leurs paroles, parfois maladroites, et parfois heurtées, parfois cabossées, parfois mutes d'ailleurs, nous faisons en sorte que malgré tout leur voix soit portée, parce que personne ne doit pouvoir être condamné sans que sa voix ait été entendue, et si ça n'est pas sa propre voix, sa voix a été au moins portée par un tiers, et c'est notre travail d'avocat. Et donc pour moi, la parole est aussi un combat professionnel, puisque nous autres avocats combattons sans cesse dans les tribunaux pour plus de liberté, pour plus de justice, pour plus de droits et en particulier pour les plus faibles. Donc c'est aussi un combat, évidemment, un sport de combat professionnel. C'est également, et pour terminer probablement, un sport de combat social. Timere, timere, martiro. C'est l'histoire de Caton, toujours Caton. Alors Caton l'Ancien, donc, qui était à la fois orateur et homme de guerre, a prononcé à Athènes, bon, je vous donne pas la date, peu importe, c'était avant Jésus-Christ, à Athènes, le premier discours en latin dirigé vers
des Grecs. Bon, Rome fait la guerre en Orient, et il s'agit de convaincre les Athéniens de ne pas s'allier aux ennemis de Rome. Donc, généralement, les généraux romains font des discours en grec. Bon, de toute façon, je ne veux pas casser le moral des latinistes, mais les Romains parlaient d'abord grec. Alors, voilà. Donc, il a été le premier général à faire un discours en latin, sans traduction simultanée, à un auditoire grec, et le meilleur des auditoires grecs, puisqu'il s'agit des Athéniens. Et les Athéniens, en entendant ce discours en latin, ont dit, ils ne comprenaient pas les mots, mais ils ont adhéré, ils ont dit, oui, il a raison. Parce qu'ils ont entendu, parce que justement, ils ont entendu le bonus vir, c'est-à-dire qu'ils ont entendu dans la parole, dans l'intonation, dans ce qu'on appelle l'actio, dans la façon de se présenter, ils ont dit, voici un homme dont le cœur dicte les paroles. Bon, c'est pour ça que, voilà. Et donc, ce type-là, nécessairement, il parle vrai. Alors moi, j'ai choisi une citation qui est une citation un peu paradoxale de Pétrone. Alors, on n'est pas dans le roman grec, mais on est dans le roman latin. C'est Encolpe qui parle, alors je vous recommande vivement la lecture du Satyricon, qui est une œuvre assez extraordinaire, un peu bizarre, même très bizarre. Et le début du Satyricon, qui n'est pas le vrai début du livre puisqu'il est perdu, c'est Encolpe qui est un mauvais garçon, un très mauvais garçon, fripon, menteur, qui sort de son école de rhétorique furieux. Et parce qu'il estime que ce qu'on lui enseigne dans son école de rhétorique, c'est absolument n'importe quoi. Et il va faire une grande tirade où il dissocie la grande éloquence, enfin il conclut entre autres par la grande éloquence, la chaste éloquence, refuse le fard et l'enflure. Alors le problème c'est que précisément il vient de faire un discours qui dit tout le contraire, hein, c'est-à-dire il dit un discours qui est plein de fard et d'enflure et qui n'a rien de pudica, puisque l'éloquence dont il parle est censée être pudica. Encolpe lui-même est tout sauf un pudicus, hein, c'est tout sauf quelqu'un de chaste. Donc il se plaint, il sort et il dit « Dans cette école de rhétorique, vraiment, on nous apprend n'importe quoi parce qu'on nous fait faire des déclamations qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Et quand on débarque sur le forum, on a l'impression d'atterrir sur la planète Mars. Hein. » Alors moi, ce que je souhaite, je serai très bref, c'est que ce que vous avez appris aujourd'hui, ce que vous apprendrez en latin et en grec au cours de votre carrière, vous serve bien à atterrir sur la planète Terre et pas sur la planète Mars. Merci. De conviction, c'est important, et ça peut emmener toute une salle, ça peut emmener tout un peuple. Alors je sais qu'on est dans les journées dédiées à l'Antiquité, mais moi c'est Winston Churchill qui m'a marqué, parce que moi j'ai étudié la civilisation britannique, et vous parliez de sang et de repérier tout à l'heure, donc moi je suis d'accord, vous connaissez tous le discours de Winston Churchill, qui pour moi est un symbole d'éloquence en mai 40, devant le Parlement, hein. « Blood, toil, tears and sweat ». Voilà, pour moi, ça, c'est l'éloquence. Donc, je vous souhaite à tous bon courage. Et puis, effectivement, on a plaisanté un petit peu sur les mauviettes, les pleutres, etc. etc. C'est beaucoup de courage, effectivement, beaucoup de travail. Et bonne chance à tous. Moi qui m'a particulièrement et longtemps marqué, c'est cette phrase de Luc de Clapiers, hein, marquis de Vauvenargues, alias Vauvenargues, hein, puisqu'il était présenté ainsi par Voltaire, son mentor. Deux études seulement sont importantes, l'éloquence et la vérité. La vérité pour donner le fondement solide à l'éloquence et bien disposer votre vie. L'éloquence pour la conduite des autres hommes et la défense de la vérité. Alors, Vauvenargues, effectivement, insiste beaucoup sur cette vérité, et je suis particulièrement moi sensible au rythme binaire de la phrase, hein, cette relation dialectique qui est établie entre la vérité et l'éloquence. Ce sont deux notions qui sont effectivement indissociables, que ce soit dans nos fonctions, même
Carton et moi-même, de proviseur adjoint, nos responsabilités, mais aussi dans nos vies personnelles, nous sommes convaincus, je suis convaincu, que si la vérité ne sous-tend pas l'éloquence, si elle ne constitue pas ce socle commun nécessaire et important, si on ne peut pas s'appuyer cette éloquence sur cette vérité, alors pas de chemin juste, pas d'action juste, vraie, véritable et efficace, pas de décision efficace non plus. Et on en aboutit souvent à des difficultés, et on l'a vu tout à l'heure dans les différentes citations qui ont été choisies par nos illustres invités. Donc sans ce socle commun, sans cette force de la vérité, alors tout est vain et tout est futile. Je terminerai par cette citation de Fénelon que j'aime beaucoup aussi, qui rejoint le marquis de Vauvenargues, c'est que le but de l'éloquence, c'est d'instruire les hommes, les rendre bien meilleurs. Merci. Thank you so much for organizing such a fantastic day for the French Lyceum. I hear it's the first or second in a row. I hope it's the first or second of many to come. It's incredibly important during your education to focus on public speaking, on debating, and on a larger theme called oracy, which I'm going to zoom into a little bit more during the 30 minutes that I have available to me. Okay. I would like to just talk about two things today, and I'll hope to get some questions in the end. It'd be lovely if you engage a little bit with me about what I'm talking about. You know, so put your critical thinking and critical listening skills, you know, activate them now, please. So can we go to the first slide? Thank you. Okay, I just want to talk about two things. What is oracy? Because my job title is Head of Oracy, and if you don't understand your own job title, you're in trouble. So I'll talk a little bit about what oracy means and why it's important more widely in society, because I do work for charity together with Lucia, so we're going to make this a little bit bigger than just the classroom, if that's okay. I think you'll like it. And then we're going to end with talking a bit more why thinking about oracy and increasing your awareness of oracy matters to you at any stage of your life, but I'll reflect on you right now, okay? This is one of my favorite people, Louis Ivo. He started 16 years ago with the London Debate Challenge in a school where there was no debating or oracy training whatsoever before. He says, and I started debating in school, and this was one of the best things I did. Debating helps you discover your voice, our slogan, and gives a real boost to your confidence, and he uses it every single day. And Lewis is very honest about this. He says, without debate training, at secondary school, I would have not become a world champion at university level. I would not have been able to coach, because he's currently the coach of the national debate team, to coach them to success, because they won under his leadership. And now he's a director of the Fair Education Alliance, and he tries to bring these types of opportunities to a lot more people. But it started with a recognition that he needed to work on that particular skill set. And it came with support from their head teacher that had to be brought to the school. Donc, impensable que Paris soit tenu responsable des conséquences d'une bataille entre déesses. Si vous jugez Paris coupable de ce crime, vous niez la participation d'Eris, les manigances des déesses intéressées et le comportement enfantin de Zeus. N'allez donc pas, quand vous pouvez le sauver, le perdre injustement. Notre prince a choisi la plus belle des trois déesses. Celle-ci lui a promis la main de la plus belle des mortelles. Jusqu'ici, tout me semble juste. Ce qui était dû a été reçu. Mais cette fin juste et heureuse ne plut pas à tous. Héra et Athéna, mauvaises perdantes, manipulèrent et poussèrent nos ennemis les Grecs à nous déclarer la guerre, et tentent en ce moment même de se venger sur Troie du choix que Paris a fait. Restons critiques et gardons nos esprits affûtés, tel le tranchant de nos effets, car nous devons trancher les boucliers et les mensonges de nos ennemis sans répit pour espérer plus tard obtenir la gloire de la vérité.
citoyen de Troie, le choix de Paris n'a pas pu être la seule origine de cette guerre. Les Grecs ont beau être perfides, sournois et vils, ils n'en sont pas moins humains, vaillants et croyants. Adorant les mêmes dieux que nous, ils ne peuvent que respecter la justice de Thémis. Ils ne peuvent nous avoir déclaré la guerre pour une si petite faute. Agamemnon n'est pas fou. Il n'enverrait pas son armée entière se fracasser contre les solides murs de notre cité pour reprendre des mains de Paris la femme de Ménélas. Non, les Grecs sont avides de richesses et non pas de vengeance. Leurs empires grandissent. Ils ont besoin de terres fertiles et de cités puissantes pour les défendre. Or, quelle cité, à l'est de la mer d'Égée, est plus prospère qu'Ilion? Quelles terres sont plus verdoyantes que les nôtres? Quelle cité attaquée, si ce n'est la grande Ilion? Citoyens, je vous le dis, les Grecs veulent faire de notre cité un comptoir commercial, un avant-poste militaire, une colonie. Et je vous l'assure, si Ilion se brise ici, si Ilion se divise, si Ilion s'effondre sur elle-même, alors Ilion sera vaincue, écrasée et perdue. Je vous en conjure, vous êtes maintenant maître du destin de cette cité. Vous ne jugez plus Paris, vous décidez de la vie ou de la mort d'Ilion. Si nous oublions notre devoir de citoyen envers cette cité qui a hébergé nos ancêtres et les leurs avant eux, alors Ilion tombera. Mais si, comme je l'espère, vous restez unis et défendez l'unité même de cette cité, alors nous vaincrons et nous aurons rendu justice au Dieu qui nous supporte et à cette cité. Chers amis, le lycée a dû voter un crédit exceptionnel pour laver les murs du sang de ces délibérations qui ont été extrêmement longues et extrêmement délicates. C'est votre faute, et uniquement votre faute, vous nous avez mis dans un embarras coupable. Et donc on ne vous remercie pas, et en même temps on vous félicite infiniment pour ces moments très précieux que vous nous avez offerts. Je voudrais, parce qu'ils sont hors concours, que nous applaudissions collectivement les binômes qui vous ont présenté, qui ont fait l'effort d'écrire un petit texte de présentation et de mise en scène, et qui ont été vos cornacs efficaces et dévoués. Et donc, il n'y a pas de bon joueur sans bon entraîneur. Donc, bravo à tous les binômes. Ensuite, je vais vous dire comment nous nous sommes organisés. Et nous avons violé toutes les règles, ce qui est pour un jury la base. Donc, nous avons, il paraît que dans une phase préliminaire, vous avez voté pour désigner des mandataires de vos classes. Nous ne nous sommes pas sentis liés par ce scrutin parce que la démocratie est vulgaire. Nous avons choisi de façon tout à fait prétorienne et dictatoriale, c'est-à-dire romaine, réintégrer tous les orateurs qui se sont présentés devant nous, qu'ils aient été désignés par leur classe ou parce qu'ils étaient là et que nous les avons entendus et que nous avons eu du bonheur à les entendre. Donc, tout le monde a été remis dans un même lot parce qu'on a considéré que, et vous verrez dans les prix que nous allons vous annoncer dans un instant, que, il aurait été, selon nous en tout cas, injuste que certains qui se sont présentés, entre guillemets, repêchés, ne soient pas primes. Voilà comment nous avons procédé. Donc, nous avons distingué plus particulièrement 6 d'entre vous qui se verront remettre un prix par les véritables personnalités de ce jury, c'est-à-dire les personnes qui sont derrière moi. Et je vais, moi, remettre les prix. Nous n'avons pas souhaité, et nous n'avons pas pu d'ailleurs, au-delà de la 6e place, distinguer, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur, et ça ne correspond pas à la réalité. Donc, nous avons fait des 7e ex aequo, pour
et ceux qui étaient en dessous de la sixième place parce qu'ils étaient dans un mouchoir de poche et nous aurions passé des heures à délibérer sur des broutilles et ça ne nous a pas paru intéressant et de surcroît, vous étiez tous très bons et l'idée qu'il y ait quelqu'un qui soit dernier n'a pas de sens. Enfin voilà, donc voilà. Donc sans idée de classement, je vais remettre les septièmes prix, il y en a, je sais pas, six ou sept. Donc son septième ex aequo. Le premier septième, mais encore une fois c'est vraiment le pur hasard, est Ernest Nabialek. Qu'il approche, qu'il approche. Et de surcroît, il s'est payé une perruque, donc il faut quand même qu'il rentabilise cet investissement lourd. L'idée que Rousseau fasse irruption dans un procès gréco-latin m'a plongé dans des abîmes de perplexité chronologique, mais bravo à Ernst. Car il y a d'autres septièmes, malheureusement tu n'as pas l'exclusivité, puisque tu partages, et c'est un bonheur, cette septième place, notamment avec Rosalie Leluel. Bravo. Rosalie, tu as quand même versifié pendant 10 minutes, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Également septième, Iris Bertrand. Alors, je ne sais pas si vous vous appelez Agathe, si vous vous appelez Iris. Ça a beaucoup varié au cours de délibéré. Est-ce que c'est votre premier prénom, votre deuxième prénom? Vous avez peut-être deux prénoms et vous avez un talent. Septième également, Caroline Drey. Caroline, je vous en veux, car à la fin de votre prestation, vous êtes presque en fuite, comme ça, comme une petite souris, alors que vous étiez vraiment remarquable. Vous êtes septième. Ensuite, septième prix également pour Laetitia Morli. Oui, bien sûr, ça c'est... Évidemment, quand l'actrice n'est pas là, le producteur vient chercher le prix. Donc, ça n'est pas du tout pour vous, mais néanmoins, on vous transmet pour que vous en fassiez bon usage. Toujours septième prix, un prix qui est évidemment partagé car elles sont indissociables. Ce sont nos deux féministes, Colline Ritz et Hermance Delambie. Bravo les filles. Et plus jamais une oratrice dans la cuisine, bien évidemment, grâce à vous. Bravo. Et enfin, septième place également pour Soraya Mestour. Bravo, vous avez fait de gros efforts en trier aujourd'hui, donc mille bravo. Bravo. Sixième prix. Alors, sixième prix pour Edwin Collard. Quatrième prix pour Gabriel Godot. Sommet, avec la
asphyxie est proche. Sébastien Charat, à la deuxième place. Félicitations, nous avons été particulièrement sensibles à votre éloge de Clytemnestre. Il y a beaucoup d'éloges d'Hélène, hein. Vous savez que Gorgias en a fait, Isocrate en a fait. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'éloge de Clytemnestre, donc vous êtes le premier. Bravo. Et voilà le livre de Florence Dupont, La ville sans origine. Voilà. Dédicacé, dédicacé. Pour apprendre à penser l'Antiquité différemment. Voilà, monsieur. C'est Paul Anaël pour vous. Je suis particulièrement contente de vous remettre ce prix, d'abord parce que c'était très très bien. Et ensuite, Narcisse, quand même, comment ne pas rêver, hein? Paris, c'est comment ne pas rêver. Merci voilà. Beaucoup. Et donc, vous avez. Là aussi, question d'amour, hein, les romans grecs et latins, de Romain. Voilà. Bravo, encore une fois, bravo. On ne parle pourtant aujourd'hui plus que du vote utile, du vote du moins pire. N'est-ce pas? Cela veut donc dire que nous ne votons pas parce que nous sommes d'accord avec un tel, mais simplement parce que nous sommes en désaccord avec tel autre. Alors, rendons-nous à l'évidence. Nous suivons certains professionnels, nos politiciens, malgré le fait que leurs pensées ne soient pas les nôtres. Et sur Internet alors, me diriez-vous, j'exprime mes pensées originales tout à fait librement. Eh bien, je vous répondrai que ce n'est pas exactement le cas. Cette réponse vous étonne? Pourtant, on voit de plus en plus, c'est vrai, de jeunes sur leur téléphone, qui partagent, online, qui donnent leurs idées. Certes, chacun peut donner son avis, et pourtant, ceux-ci sont si semblables qu'on dirait des clones. Alors, tout se répète, tout est redit, tout redondonne. L'Internet est une simple chambre d'écho, où la moindre pensée résonne. Les idées d'une seule personne sont répétées et déformées, sans être comprises ni même amplifiées, par la majorité des followers qui font office de caisse de résonance vide d'avis personnel. Alors oui, l'État démocratique est un produit du cogito ergo sequeris. Oui, il assure à ses membres la sécurité et une certaine forme de liberté. Cependant, je vous demanderai, quel peuple sera le premier ou le second à se lancer dans les mains des populistes ? Celui qui est à genoux devant ses désirs, ou celui qui suit les idées et se reflète dans les idées des intellectuels? Alors, je vous demande, est-ce qu'on doit mettre une nation dans les mains de ceux qui ne font que regarder les ombres sur le mur? Sartre dit, l'homme, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. Voici une nature de l'homme. Plus on a le droit de dire, faire, penser, moins on fait, dit et pense. L'homme ne souhaite pas être libre. La liberté est une contrainte, elle nous contraint à être moraux. Cependant, prenons l'exemple de deux philosophies claires que nous allons tous comprendre, deux philosophies rivales qui ont scindé des familles, brisé des amitiés. Le Paris-Marseille de l'époque, vous voyez tous de quelle philosophie je veux parler, la philosophie épicurienne et stoïcienne. Épicure clame que le bonheur, c'est éviter la souffrance afin d'atteindre un niveau d'ataraxie où l'on ne ressentirait plus la douleur. Pour les adeptes, la marijuana, aussi appelée sous le nom de cannabis, peut vous apporter les mêmes sensations. À l'opposé, Sénèque, grand stoïcien, soutient qu'une vie heureuse est une vie sans défaut. Pourtant, je puis vous affirmer que je ne suis d'accord avec aucune de leurs réflexions. Je pense, peut-être de façon un petit peu masochiste, que le bonheur est connu grâce à la souffrance. Oui, car sans souffrance, comment connaître ce qu'est le bonheur? Quant au défaut, le site mythique, de rencontre mythique s'est occupé de réfuter la thèse de Sénèque, avec leur slogan
Si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. C'est pour ça que je tiens à m'adresser à mes opposants. Ne vous inquiétez pas, on trouvera toujours quelqu'un. Pour ceux qui seraient intéressés d'en attendre plus sur ma doctrine, je suis invité et je vous convie à un dîner, mercredi soir, où vous pourrez aussi en apprendre plus sur les constructions en allumettes de Monsieur Pignon, ou encore sur les boomerangs primitifs, le boomerang authentique, qui, si bien lancé, a une capacité à décapiter les kangourous à 50 mètres. Mais je m'égare, excusez-moi, je suis bavard, et il est temps pour moi de laisser la parole à ma coéquipière. Oui, s'il te plaît, continue notre démonstration, je souhaitais vous parler à vous, m'adresser aux jeunes, la génération sacrifiée, la jeunesse sans respect. Je voulais vous parler des grands, des méchants, je voulais parler des réseaux sociaux. C'est un sujet très, très à la mode, eh bien, parlons-en. Afin d'être clair et d'avoir tous le même niveau de compréhension, je souhaite clarifier pour certaines personnes dans cette salle qui ne seraient pas forcément très habituées à les côtoyer en tous les jours, ce que j'entends par réseaux sociaux. Je vous parle donc ici de plateformes sur le web qui permettent entre autres de follow, suivre en français, merci Google Translate, de follow des gens et des personnes telles que la famille Kardashian, Justin Bieber et autres grands penseurs des temps modernes. Associés aux termes réseaux sociaux, vous entendrez sûrement des descriptifs tels que face de book ou éventuellement des périphrases telles que le petit oiseau bleu. Donc je vous demande ici à vous tous, Instagrammeurs, Snapchatteurs, Twitter éventuel devant l'absolu. Quelle est votre clé de tri pour les pages que vous likez? Combien d'entre vous ont liké autre chose que des dank memes, je veux dire quelque chose de plus intellectuel, ou qui regarde des stories autres que celles de Rihanna & Co? Êtes-vous en mesure d'affirmer que vous suivez ces personnes parce qu'elles pensent? Donc, allez, je fais un petit résumé en 3 minutes de ce qu'on s'est dit sur le langage du corps. Grosso modo, quand j'arrive pour prendre la parole, d'abord, je ne prends pas la parole tout de suite. J'attends, je regarde, je respire et je parle. Ça, c'est le temps d'avant. La voix, donc la montagne, pour porter la voix. Ensuite, le regard. Tout regard qui n'est pas porté sur le public est un regard perdu, puisque le regard, c'est le pouvoir. C'est comme ça que je capte les émotions que vous me renvoyez en me regardant. La posture, donc, je vous ai dit, plus c'est fixe et mieux c'est, parce que ça permet d'éviter les déviations de la colonne d'air. La colonne d'air, c'est ce qui fait que vous expirez de l'air par vos cordes vocales, de sorte que vous pouvez avoir de la puissance. Si vous êtes comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ça ne marchera pas. Et puis à la fin, c'est notre projet, d'accord? Donc, ça ne peut pas marcher. Au revoir Olympia. Une sortie tout en discrétion, on peut le dire. Donc, ça, j'ai dit la posture, donc j'ai dit l'attitude avant, le souffle, le regard, la posture, et enfin le geste, c'était l'exercice que je vous ai fait faire, pour dissocier la parole et le geste, pour vous montrer l'importance de la congruence, pour ceux qui font des maths, eh oui, entre le geste et la parole.